même dans les ballons, les postes, les surprenants, la russe vers son est, c'est quand même pas mal. C'est des So I'm not sure what to do here. À traduire. Cette audition, alors on va attendre que les choses se mettent en route techniquement. Voilà, les choses sont parties. Monsieur le Président Chartobias, mes chers collègues, alors ouais, si nos collègues du MoDem veulent bien, on va attaquer cette audition. Un peu de retard, et donc je vous demande un peu d'attention pour accueillir en visioconférence aujourd'hui avec nous Tobias Elwood, qui est président de la commission de la défense anglaise. Et cher Tobias, je vous remercie particulièrement d'avoir accepté ce format pour permettre à toute la commission de la défense française de prolonger les conversations que nous avons débutées à Londres il y a quelques semaines à l'occasion d'un déplacement que nous avions eu la chance d'avoir. Cher Tobias, vous avez de multiples raisons de bien connaître les questions de défense. D'abord parce que vous êtes un ancien officier, capitaine des Royal Green Jackets, en service entre 1991 et 1996. Vous êtes député depuis 2005, membre du Parti conservateur et actuellement président de la Commission de la Défense. Vous avez occupé diverses fonctions ministérielles, d'abord sous-secrétaire d'État parlementaire au Moyen-Orient, à l'Afrique et à la lutte contre le terrorisme entre 2014 et 2017, puis comme sous-secrétaire d'État parlementaire aux droits de l'homme et aux anciens combattants de 2017 à 2019. Cette audition prend place à un moment donné où nous préparons à entrer dans nos travaux pour la prochaine loi de programmation militaire qui modernisera nos forces jusqu'en 2030. Et il nous a paru nécessaire d'entendre nos principaux alliés sur leur vision du contexte international, dont la guerre en Ukraine est le plus cruel stigmate et dont la façon dont évoluerait leur modèle d'armée. C'est pourquoi nous allons entendre et recevoir l'ensemble de nos grands partenaires allemands, américains, d'Europe du Sud, d'Europe du Nord notamment.
comme la France, la Grande-Bretagne cherche à tirer les leçons de la guerre en Ukraine. Elle s'est engagée dans une actualisation de sa revue stratégique de 2021, donc l'Integrated Review. Les Anglais sont en train de faire un refresh dont nous ont longuement parlé en début d'année et leurs résultats vont bientôt être rendus publics, même si le cadrage financier n'est attendu a priori que mi-mars. Nous serions donc particulièrement heureux de vous entendre sur cet exercice de prospective stratégique et sur la façon dont l'armée britannique va tirer des conséquences et faire évoluer son organisation. Nous n'avons pas oublié que vous aviez un temps privilégié les Sunrise Capabilities, ce que vous appelez les Sunset Capabilities, et voilà, on aimerait savoir si notamment la guerre en Ukraine vous amène à confirmer ou non cette préférence. Ces réflexions sur le contexte stratégique doivent également alimenter l'avenir de la coopération franco-britannique. De Saint-Malo à Lancaster House, la France et la Grande-Bretagne n'ont cessé de confirmer au long des années la convergence de leur politique de défense. C'est vrai que le Brexit a un peu perturbé ce compagnonnage, mais nous sommes ici tous conscients que la sécurité de l'Europe ne peut être pensée sans vous, les Anglais. J'irai même plus loin, l'autonomie stratégique de l'Union européenne a tout à gagner, un partenariat fort avec la Grande-Bretagne, et non pas uniquement au travers des relations complexes que l'OTAN et l'Union européenne entretiennent. Et je vous rappelle, mes chers collègues, qu'un prochain sommet franco-britannique est prévu le 10 mars prochain. Et dans ce cadre, nous serions particulièrement intéressés, cher Tobias, de connaître votre vision de l'avenir sur notre coopération militaire et vos attentes vis-à-vis d'elle. Enfin, parce que nous nous connaissons bien, parce que nous nous sommes beaucoup corrélés dans le passé, dans l'histoire, parce que nous savons que nos desseins stratégiques sont aujourd'hui en partie liés, parce que nous avons chacun des responsabilités mondiales imminentes, membre permanent du Conseil de sécurité, État doté de la dissuasion, nous attendons de votre part un retour sur ce que vous percevez du modèle français de défense, ses forces bien sûr, mais également ses faiblesses, ses opportunités, le regard que vous portez sur nos armées, sur notre base industrielle et technologique de défense, sur nos opérations, est important pour que nos réflexions ne soient pas prisonnières d'une vision trop auto-centrée. Quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console, dit le proverbe. Nous attendons pas de vous une consolation, mais bien une stimulation au travers de nos réflexions communes. Et c'est pourquoi, cher Tobias, je vous remercie à nouveau d'avoir positivement répondu à notre sollicitation et je vous laisse désormais la parole. I think, is that my turn to... Il est donc à moi de prendre la parole. Yes. Okay, firstly, just to... Radio check to make sure you can hear me. Je voudrais juste avoir la confirmation que vous m'entendez yes, bien. Yes, we can hear you perfectly. Good. Can oui, I begin vous by saying thank you very much indeed for je the opportunity to share some thoughts with you. It's really, really appreciated. De partager des réflexions avec vous. Like j'apprécie cette initiative pour les raisons que vous avez décrites pour avoir une meilleure coopération, une meilleure collaboration entre la France et la Grande-Bretagne. Lorsqu'on parle de ces capacités militaires, lorsqu'on les réunit ensemble, celles de la France et celles du Royaume-Uni, vous avez la moitié des capacités militaires de toute l'Europe. Nous dirigeons dans le même sens. Bien sûr, nous avons une grande influence à travers l'Europe. Bon, dans un contexte plus vaste, je crois que nous arrivons dans une période d'incertitude qui est très récente et il faudra réagir. Certains sont dans le déni et refusent de reconnaître le niveau de danger qui prévaut dans le monde d'aujourd'hui. Depuis 30 ans, ou pendant 30 ans, nous avons eu de la chance, mais il y a certaines décontractions qui s'est installée depuis la fin de la guerre froide. Alors, un des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies envahit un autre État. Un autre membre du Conseil de sécurité ne condamne pas cette action et les autres membres trois autres membres du Conseil de sécurité regardent dans des directions différentes en cherchant à trouver une solution au problème. Alors, sans rentrer dans le détail de cette
cette situation que nous pourrons sans doute évoquer plus tard. Je m'inquiète de la coordination de la sécurité européenne par rapport à la sécurité de l'OTAN. Il y a un décalage entre les frontières démocratiques et les frontières de la sécurité, cette dernière étant celle de l'OTAN. Alors, nous avons donc la responsabilité des chefs militaires haut placés en Europe qui doivent exiger des niveaux plus élevés à nos activités, ce qui veut dire plus de dépenses militaires. Je consacre beaucoup de temps ici au Royaume-Uni à convaincre des personnes qui ne connaissent pas les forces militaires pour expliquer pourquoi il faut plus de dépenses consacrées à la défense, parce qu'on préférerait, pour certains, consacrer l'argent public aux écoles ou aux hôpitaux, mais il faut expliquer que notre sécurité nationale et notre économie constituent la même chose. Et l'Allemagne le voit très bien maintenant aussi. Il faut que toutes les chaînes d'approvisionnement soient sécurisées, que les eaux territoriales soient sécurisées. Alors, l'inflation au Royaume-Uni serait à 4% si on n'avait pas la guerre en Ukraine. Actuellement, le taux est de 11%, mais nous sommes face à toutes sortes de problèmes avec ce taux d'inflation. Nous ne pouvons pas augmenter les salaires, par exemple. Alors, vous voyez les répercussions de la guerre en Ukraine à travers toute l'Europe aussi. Alors, c'est peut-être un peu provocateur de le dire, mais je m'attriste du fait qu'on a passé une année avant d'envoyer des chars de combat principaux en Ukraine. Et là, on voit la réaction aujourd'hui à TikTok et le Royaume-Uni se joint aux États-Unis, au Canada, pour résister à la Chine. Alors, on espère que cette initiative sera suivie au Royaume-Uni. Alors, je voudrais dire qu'au moment où nous sommes en train de redéfinir notre position en matière de défense, il faut chercher des collaborations plus importantes avec nos alliés les plus proches. Je me réjouis du sommet avec la France, avec nos deux chefs, et j'espère que nous aurons une meilleure collaboration afin d'avoir les achats d'équipements, d'avoir les réserves et les stocks d'armes et de munitions nécessaires, plutôt que de se contenter de réagir tel qu'on voit en ce moment avec la situation en Ukraine. Merci, cher Tobias, pour cette introduction qui permet de bien poser le cadre. Nous allons maintenant prendre quelques... d'ores et déjà, ton intervention génère beaucoup de questions, et donc je propose que nous prenons les interventions des orateurs de groupe qui vont te questionner. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Jean-Michel Jacques. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues britanniques. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre propos liminaire qui nous met en selle pour cette séance avec vous. Et permettez-moi, si vous le voulez bien, d'exprimer au nom de notre Assemblée toute la reconnaissance aussi que nous avons pour vos vétérans qui sont venus en France se battre pour libérer la France et l'Europe du nazisme. Vous l'avez dit, nous avons beaucoup de convergences et d'intérêts de défense communes. J'aimerais évoquer avec vous la préparation de l'armée britannique à la haute intensité. En effet, vu le contexte géostratégique que vous avez évoqué, l'engagement de nos armées nationales sur un conflit de haute intensité est devenu probable. En tout cas, nous ne pouvons que regarder ça en face et ne pas le négliger. Être prêt à affronter des conflits plus durs et plus longs soulève plusieurs défis, entre autres sur le plan humain. Je pense par exemple à la gestion des effectifs, au renforcement de la préparation opérationnelle. Sur le plan capacitaire, il faudra trouver le bon équilibre entre technologie et technicité et rusticité, ou encore rentrer dans une logique d'économie de guerre, et là je pense plus particulièrement
à votre industrie de défense. Et sur le plan sociétal, cela va passer par un renforcement aussi de la résilience de nos nations, et là, entre autres, de la nation britannique. Et j'aurais aimé aussi vous interroger sur votre point de vue sur ce sujet. Voilà, d'après vous, quelles sont les transformations nécessaires que vos armées, votre industrie et votre nation soient prêtes est-ce que votre nation soit prête et qu'est-ce qu'elle est prête à engager pour arriver à être prête à ce conflit qui pourrait s'annoncer ? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Alors, je précise que nous avons environ une douzaine de questions et je propose de les prendre par lot de trois ou quatre et ensuite de donner à nouveau la parole à notre collègue Tobias Elwood. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Stéphanie Gelzi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Elwood, au nom du groupe Rassemblement National, je vous remercie pour votre intervention ce jour et les nombreux éléments dont vous nous avez fait part. En 2023, le Royaume-Uni et la France partagent de nombreux intérêts communs. Ce sont les deux seules puissances nucléaires en Europe. Nos deux nations s'appuient sur des stratégies nationales de défense assez proches, consacrant l'importance des milieux cyber, spatial et informationnel et la nécessité d'agir vite pour gagner la guerre avant la guerre. Nous faisons face aujourd'hui aux mêmes menaces. Nos investissements de défense sont équivalents et conséquents et nous permettent de disposer, en vertu de nos BITD dynamiques, d'un outil militaire complet. Nos deux nations sont liées depuis 2010 par les traités de Lancaster House qui nous démontrent qu'il est possible de coopérer sur des sujets sensibles tout en maintenant la souveraineté de chacun des partenaires dans un esprit de parité. Lancaster House est synonyme d'une base de coopération solide et souveraine entre Londres et Paris dans les domaines nucléaires capacitaires grâce à une force expéditionnaire conjointe et interarmée ainsi que dans le domaine des systèmes d'armes dont MBDA incarne la réussite. Au Rassemblement national, nous soulignons l'efficacité et le respect des souverainetés nationales symbolisées par cette coopération souveraine, stratégique et paritaire que nos nations ne trouveront ni à Washington ni à Berlin. Soucieuse de sa réussite et de sa continuité, ma question portera sur son avenir. Que pensez-vous de l'approfondissement des accords de Lancaster House par un élargissement de cette coopération aux sujets fondamentaux que sont l'espace, le cyber et l'aviation de combat. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Aurélien Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher collègue, Monsieur Elwood. Permettez tout d'abord de souligner que l'excellence de notre coopération franco-britannique en matière de défense, le groupe de La France Insoumise se réjouit en réalité du succès qu'a représenté la coopération dans le domaine de la défense entre nos deux pays ces dernières années. Et il souligne aussi que, d'une certaine façon, il représente une forme de contrepoint à certains échecs plus menés dans le domaine de la coopération européenne, qui étaient déterminés par des options plus idéologiques. Je souhaiterais, une fois n'est pas coutume, vous interroger plutôt sur la question de la paix. Je suis, comme tout le monde, évidemment très sensible au contexte critique que nous traversons, à la guerre en Ukraine. Et j'aimerais savoir si vous considérez comme irréversible, d'une certaine façon, la transformation des relations internationales. Vous dites que nous avons été naïfs, d'une certaine façon, ces 30 dernières années. Et il semble que les logiques de guerre doivent s'imposer, ou s'imposent en tout cas, désormais partout. C'est d'une certaine façon ce qu'a montré l'état-major français en remplaçant le triptyque traditionnel de l'analyse de situations internationales paix, crise, guerre, en remplaçant par l'idée que la contestation succède à la compétition et à la confrontation succède elle-même ensuite à la contestation. J'y vois un grave problème en réalité parce que les logiques de la guerre sont des logiques de montée aux extrêmes et de globalisation et de polarisation. Est-ce que vous pensez que nous soyons capables, notamment le Royaume-Uni et la France en tant que membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont un statut particulier, qu'on ne peut pas soupçonner en réalité aujourd'hui d'une volonté hégémonique, de contrecarrer cette logique de belliciste d'une certaine façon, cette logique de guerre qui s'impose partout. Je vous remercie. Cher Tobias, je vous propose de répondre à ces trois premières questions, si vous le souhaitez. Yes, I'd be delighted, and thank you very much indeed. They're very. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour ces questions très pertinentes. Tout d'abord,
Parlant du Brexit, je vais m'atteler à cette question-là d'entrée de jeu. Je suis très tourné vers l'international. Je suis né aux États-Unis, j'ai grandi dans différents endroits en Europe, à Vienne notamment, on perdrait pour les Nations Unies. Je suis très européen. Et le Brexit était une journée très triste pour moi. C'était le fruit d'un mouvement populiste. Je me satisfais des avancées sur le sujet de l'Irlande du Nord. Alors, évidemment, je m'exprime en mon nom propre et pas au nom de ma commission. Je vous fais part de mes réflexions personnelles. J'étais satisfait qu'il y ait ces mesures avancées par Rishi Sunak qui vont dans le sens de la diplomatie. Et ce fut une période très difficile pour lui. Ce que nous avons observé, ce sont des capacités financières limitées. Et par conséquent, nous avons investi dans le cyberespace et l'espace au détriment des trois autres forces armées. Nous avons réduit la quantité de chars de combat, nous avons réduit d'autres véhicules opérationnels, nous avons réduit le nombre de troupes, une baisse de 10 000. Nous avons réduit le financement des F-35 pour avoir un chiffre de 78 avions, une réduction pour les navires également, mais nous avons investi dans le cyberespace et dans la défense spatiale, à juste titre, puisque c'est là que ce sont les caractéristiques que l'on retrouve de plus en plus dans les nouveaux conflits. Mais les anciennes menaces n'ont pas disparu pour autant. Nous l'avons bien vu en Ukraine, les chars de combat principaux sont essentiels. Alors j'espère que cette actualisation du Integrated Review pourra tenir compte de ces éléments. À mon sens, tout examen en matière de défense a plusieurs objectifs. D'abord, déterminer quelles sont les menaces qui pèsent. Ensuite, déterminer quels sont ses intérêts propres en matière de défense, que veut-on protéger. Et enfin, en réunissant ces deux éléments-là, comment élargir sa présence militaire? Alors, je vais d'ailleurs répondre à la troisième question. Notre monde est de plus en plus dangereux, et ce n'est pas le contraire. Pour l'instant, à mon sens, la Chine et la Russie vont s'aligner de plus en plus. Il y aura une coalition qui n'est pas naturelle, mais qui se fera. Les deux pays peuvent profiter du fait que les puissances occidentales s'affaiblissent, les États-Unis s'affaiblissent. Cela serait dans leur intérêt. Et ensuite, la France et le Royaume-Uni doivent coopérer davantage. Continuer notre coopération sur le plan de la défense est un message fort. Le MBDA est un exemple, Airbus, qui est très présent au Royaume-Uni. Alors, il y a un problème avec Galileo. C'est peut-être un point un peu plus négatif, mais nous ne nous pencherons pas sur ce point-là aujourd'hui. Mais il y a une coopération croissante et nous pouvons continuer de coopérer dans le domaine de l'industrie de la défense. J'aimerais beaucoup que le programme FCAS, SCAF, Système de combat aérien du futur, que l'on continue de développer cette initiative-là. Il est très difficile pour, s'il n'y a pas de coopération, nous voulons une initiative à l'échelle européenne et pouvoir nous affirmer sur la scène internationale. Il est pertinent de coopérer au vu de notre socle industriel fort. Alors, sur l'Ukraine et la guerre en Ukraine, je crois qu'il n'y a pas de distinction à faire. Il y a une zone grise et les répercussions économiques négatives sont causées par des pays qui peuvent contrôler les terres rares, qui peuvent réduire au silence certains pays en Afrique.
Il y a ces dettes chinoises. Alors vous n'entendrez pas de pays africains dire ou s'exprimer à l'encontre de la Chine par peur de représailles. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas que la menace militaire, mais il y a également le fait que notre ordre réglementaire international n'a pas fait l'objet d'investissements suffisants. Et ces règles sont mises à l'épreuve en Géorgie, en Chine également, sur les îles chinoises. Il y a une prise de position plus agressive et il nous faut affirmer nos principes. Que voulons-nous défendre ? Merci, cher Tobias, pour ces premières réponses. Alors, nous allons prendre trois nouvelles interventions. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Christelle Dintorny. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Elwood, je tiens à vous remercier au nom du groupe Les Républicains d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions, ainsi que Monsieur le Président Gazilou d'avoir organisé cette audition. Les échanges avec nos collègues des autres parlements ne peuvent être que fructueux. J'ai pris le soin de parcourir quelques-unes de vos récentes interventions, notamment sur le conflit terrible qui a lieu en Ukraine depuis plus d'un an maintenant. Le 15 février dernier, dans les colonnes du Télégraphe, vous appelez à franchir un nouveau pas dans le soutien occidental à l'armée ukrainienne. Selon vous, si l'on souhaite la victoire de l'Ukraine, il est désormais crucial de lui fournir des équipements aériens qui lui permettent d'appuyer efficacement les éléments blindés au sol modernes que nous lui avons déjà fournis. Vous ajoutez qu'il n'est pas nécessairement question de leur fournir de l'aviation moderne telle que des F-16, mais vous évoquez par exemple des avions d'appui rapproché A-10 ou des hélicoptères d'attaque Apache. Donc tout en renouvelant notre soutien à l'Ukraine, et je veux exprimer ici à nouveau toute ma solidarité au courageux peuple ukrainien, je pense que nous devons être vigilants sur les armements que nous leur fournissons. Cette semaine, plusieurs drones ukrainiens ont été abattus par les forces russes sur leur territoire, certains tombant à une centaine de kilomètres à peine de Moscou. Et bien que la Russie soit l'agresseur, je pense que personne n'a intérêt à ce que le conflit nous échappe totalement et change de dimension. Aussi, nous devons relever que, combien même ils sont destinés initialement à des opérations de couverture aérienne rapprochées, il n'en demeure pas moins que ces avions A-10 et ces hélicoptères Apache ont un rayon d'action qui les autorise théoriquement à entrer en territoire russe. Ma question est donc la suivante. Ne craignez-vous pas que ces avions ou hélicoptères dont vous appelez de vos voeux la livraison à l'Ukraine puissent être utilisés pour des opérations militaires en territoire russe ? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Sabine Tilley. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Chair, for this opportunity to dialogue with you. I will continue in French. Malgré les avertissements des renseignements américains, l'invasion par la Russie le 24 février 2022 a surpris quand même les pays occidentaux habitués à la paix, convaincus de la fin de la guerre à haute intensité sur le sol européen. Nous ne voulions pas croire en un tel scénario. Alors le Royaume-Uni fait quand même partie de ces puissances qui ont su très tôt réagir pour apporter un soutien militaire important à l'Ukraine. En un an, ce soutien n'a jamais faibli et continue même de se renforcer avec l'envoi prochainement des chars Challenger 2 et la formation des pilotes ukrainiens. Et c'est en tant que porte-parole du groupe démocrate que je souhaite vous exprimer ma pleine reconnaissance pour cet engagement. Alors, cette aide militaire a des conséquences non négligeables sur les forces armées britanniques. Et en tant que président de la Commission de défense des communes, vous avez récemment lancé l'alerte. Les stocks sont épuisés et l'armée de terre serait désormais en très grande difficulté. Alors, ce constat alarmant a également été fait en France, en Allemagne et on peut presque dire dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Face à cela, l'Allemagne a annoncé une hausse record de son budget militaire. La France va se doter d'une loi de programmation militaire qui consacrera 413 milliards d'euros à ses armées. Et l'Union européenne a pris conscience de la nécessité de construire une Europe de la défense ou une défense européenne en soutenant sa BITD via un renforcement du Fonds européen de la défense.
Deux ans après avoir définitivement quitté l'Union européenne, comment voyez-vous cette prise de conscience européenne? Vous avez déjà partiellement répondu, mais qu'est-ce qu'il vous faudrait faire plus pour une coopération efficace, qu'elle soit au niveau de la BITD, mais aussi au niveau vraiment de notre coopération militaire? Et enfin, à l'heure de l'augmentation du budget de défense et de l'inflation que vous avez évoquée aussi, quel modèle d'armée voulez-vous pour le Royaume-Uni dans les années à venir? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Elwood, merci pour le temps que vous nous consacrez et pour votre implication dans les relations entre nos deux pays. Nous sommes aujourd'hui côte à côte dans l'assistance à l'Ukraine, dans sa résistance face à l'agression russe. Et mon groupe, socialiste et apparenté, est très sensible et particulièrement attaché à cette coopération essentielle pour le continent européen et au-delà. À l'aune du renouvellement du contexte stratégique, nous sommes surtout confrontés à des défis proches. Reconstitution des stocks, réinvestissement après une période de contraction budgétaire, sélection des capacités clés sur le long terme et mise à jour du modèle d'armée. En 2021, la Revue nationale stratégique britannique a appelé à des choix de rééquilibrage au prix de certains renoncements, singulièrement en ce qui concerne l'armée de terre. Cet effort porte notamment sur la protection du territoire par la dissuasion nucléaire et le contre-terrorisme, sur la projection de forces au sein de coalitions et d'alliances, ainsi que sur le maintien de l'ascendant technologique au combat, avec une attention particulière pour les actions dites « sous le seuil ». A contrario, la France demeure attachée à un modèle d'armée complet et cohérent, au prix d'une trajectoire budgétaire raide et d'une complexité d'exécution dans la durée. Dans ce contexte, je retiens qu'on n'est pas toujours aussi bien jugé que par soi-même. Et comme le président Gassiou, je ne résiste pas à vous demander quel regard éventuellement critique vous portez sur cette différence ou cette divergence de choix capacitaires et sur la poursuite d'un modèle complet en France. Vis-à-vis de l'Ukraine, le Royaume-Uni a été en capacité de fournir une valeur d'équipement significativement supérieure à la France. Quels ont été les ressorts de cette mobilisation? Et existe-t-il un débat sur le maintien à terme d'un stock disposé à l'appui des alliés sur des théâtres où le Royaume-Uni n'est pas directement engagé? Enfin, la capacité de production nationale est ici un débat prégnant au regard du nombre d'équipements souverains. Alors comment le Royaume-Uni organise-t-il sa production d'équipements militaires? Je vous remercie. Merci, cher Tobias. Vous avez la parole pour répondre. Thank you again. Wonderful merci questions. Encore une fois, des questions très pertinentes, je dois dire. Sur la puissance aérienne, commençons par cela. Je vais vous poser la question. Que pensez-vous quelle est pour vous une victoire en Ukraine? C'est le point de départ. Si l'on ne peut pas se mettre d'accord sur ce que représente une victoire, alors on ne peut avoir de stratégie, ni de tactique. Des tactiques sans stratégie, c'est dangereux. Il faut donc une stratégie pour laquelle on délimite clairement l'objectif, la victoire. À mon sens, c'est très clair. On ne peut pas laisser les Ukrainiens seuls déterminer ce que représente cette victoire. Il en va de la Russie, pas seulement l'Ukraine. La Russie veut redéfinir l'Europe. Et il en va de l'influence russe dans l'espace slave. L'influence russe va continuer de s'agrandir, s'élargir. Alors il faut empêcher que le conflit devienne hors de contrôle. Il faut en revenir à ces compétences de la guerre froide qui étaient que l'on empêchait que les conflits escaladent. Alors, en matière de stratégie, je dirais qu'il faut libérer le Donbass, libérer la Crimée. Si l'on ne fait pas cela, l'économie ukrainienne ne pourra fonctionner puisqu'elle n'est pas souveraine. Elle sera contrôlée d'une certaine manière par la Russie. Et dans deux ans, Vladimir Poutine sera encore là, il va rassembler ses forces et recommencer. Voilà une ère insécuritaire dans laquelle nous entrons.
Et voilà le constat effrayant, certes, auquel nous sommes confrontés. Cette menace ne va pas disparaître. Alors j'en reviens aux tactiques. Si la coalition de pays occidentaux perdure, ses soutiens de l'Ouest continuent, l'Ukraine doit gagner du terrain, si l'on veut considérer cela comme une avancée. Alors il y a des appels, ce que Poutine veut, c'est que l'on parle, que l'on négocie, mais sans vraiment passer à l'acte. Donc, je m'égare quelque peu, mais lorsque l'on parle de tactique, les chars ne fonctionnent que s'il y a une couverture aérienne, un soutien aérien. Alors, on ne va pas envoyer d'avions de chasse pour l'instant, mais alors se pose la question de la sécurité en Ukraine à long terme. Comment garantir que l'Ukraine puisse se défendre dans 5 ans, mais dans 5 mois, finalement? Donc, continuons de former ces pilotes ukrainiens. Essayons de privilégier un avion de chasse plutôt que plusieurs, les F-16 par exemple. Et peut-être pourrions-nous avoir une industrie ou un site de production en Pologne géré par les Ukrainiens pour centraliser la chose. Si l'on pense que les problèmes concernant le céréal, les céréales étaient graves, il peut y avoir des problèmes ailleurs également. Alors, il est important de se pencher sur la stratégie et pas seulement sur la tactique. Ces chars sont une bonne chose, évidemment. Mais il faut avoir cette stratégie en tête. Alors évidemment, comme vous le dites, les avions A-10, les Apaches pourraient être utilisés en Russie. Tout dépend de notre relation avec l'Ukraine. Est-ce que nous leur faisons confiance? Et est-il équitable? Est-il juste qu'un régiment russe puisse faire feu avec son artillerie depuis la Russie? Et peut-on ensuite imaginer qu'il n'y ait pas de représailles? C'est ce que l'on a vu en Afghanistan. Les talibans ont attaqué le Pakistan. Eh bien, la Russie s'en tirait avec un avantage, si c'était le cas. Évidemment, il faut éviter toute escalade. Mais ces menaces de brandir l'arme nucléaire ne se sont pas encore matérialisées. Alors, à mon sens, il faut faire preuve de plus de détermination. Quel est notre plan? Quel est notre objectif clair? Et à ce jour, je ne comprends pas que nous n'ayons pas encore d'accord sur les céréales. Je me suis rendu à Odessa plusieurs fois. Et cela a un impact sur le prix des céréales. Si l'on avait un accord en dehors de celui de l'OTAN pour apporter un soutien aux Ukrainiens sur ce plan, ce serait une bonne chose. Alors, les stocks sont faibles au Royaume-Uni, c'est une préoccupation, effectivement, il faut travailler sur cette question-là, et il serait pertinent d'avoir une stratégie européenne industrielle, peut-être. Donc, cela fait partie de ce refresh de notre Integrated Review. Alors, ma réponse était un peu longue, je m'excuse. Merci, cher Tobias. Nous allons prendre l'intervention de Loïc Kervan pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. If I may, Mr. Chairman, please allow me a few words in English to say first in the name of my political group how honored we are to hear you. And thankful for the time you spent with us this morning, and also as a recognition of our common history and future, because you're not only a close ally, but also a member of the European family, as you very well said. Permettez-moi donc de revenir à cette belle langue française, mais je voulais commencer de cette manière en signe d'amitié et de respect.
D'abord dire qu'en tant que député d'une des principales circonscriptions de production de MBDA, nous avons la chance de conserver un partenariat stratégique et industriel extrêmement important, et je crois que l'audition de ce matin est l'occasion de le souligner à nouveau. J'aurais voulu vous entendre sur un point simple et unique sur la question du modèle d'armée. Est-ce que vous pourriez nous redire peut-être les choix les plus drastiques que vous avez eu à faire concernant le dimensionnement de l'armée britannique et notamment autour du dimensionnement de la marine et de la British Army de l'armée de terre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour le groupe Liotte. La parole est à Laurent Panifou. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Defense Committee. Mes chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence, pour ces échanges. Dans ce climat particulier marqué par un an de guerre en Ukraine, il est indispensable pour les États européens, même lorsqu'ils ne sont plus membres de l'Union, de continuer à coopérer et de faire front commun. Ce conflit à nos portes a suscité un mouvement de remise en question dans tous les ministères de la Défense européens. Chaque État s'est demandé finalement que valait vraiment leur armée. La réponse a souvent été inquiétante en raison du manque de moyens, du manque de munitions et parfois, pour certains pays, du manque de préparation face aux risques toujours plus élevés de conflits à haute intensité. Vous avez vous-même dressé un bilan assez sévère pour l'armée britannique, des effectifs réduits au fil des années, des soldats sous-équipés, des munitions qui manquent. Vous estimez même que l'armée britannique ne tiendrait que 5 jours en cas de guerre. Il me semble que cela est la conséquence de plusieurs arbitrages stratégiques réalisés au détriment de l'armée de terre. Je vais être direct. Après ce constat, quelles sont les mesures que vous avez déjà prises pour rectifier le tir, si je puis dire? Votre Premier ministre vise un objectif, porter les dépenses militaires à 3% du PIB d'ici 2030. Est-ce que vous disposez déjà d'une trajectoire budgétaire pluriannuelle pour reconstituer vos armées? Sur un point plus précis, je sais que vous rencontrez des difficultés avec votre porte-avions, le Prince of Wales, qui a passé plus de temps au chantier naval qu'en mer. Où en sont les réparations et quelles perspectives pour sa participation, c'est le plus important, dans la force de réaction rapide de l'OTAN? Deuxième point plus ciblé sur la contribution du Royaume-Uni à l'Ukraine. Ça a été dit, on évoque des livraisons à hauteur de 2,3 milliards de livres sur un an au profit de l'armée ukrainienne. C'est un effort conséquent. Dans notre Assemblée, les livraisons ont souffert d'une certaine opacité. Les parlementaires français n'ont eu accès un accès que tardif, limité et partiel à la contribution militaire de la France en Ukraine. Comment les choses sont-elles déroulées à la Chambre des communes sur le plan de la transparence? L'ensemble des membres ont-ils eu accès à ces informations? Étaient-elles réservées aux membres de la Commission de la Défense? Votre commission a-t-elle eu un rôle actif dans le choix des munitions et équipements à livrer? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Et pour avoir 3 questions, la parole est à Yannick Chenevard. Président, mes chers collègues, Monsieur le Président, pour le député de la circonscription à l'intérieur de laquelle il y a le port militaire de Toulon, vous ne serez pas étonné que je vous interroge pour avoir votre avis sur quelques points. En février-mars, 5 groupes aéronavals étaient en mer. C'est une démonstration de puissance assez rare. Démonstration de puissance importante. Le Cavour, pour les Italiens. 2 porte-aéronefs américains, le Truman et le Reagan. Le Charles de Gaulle, bien sûr. Et, alors je ne sais plus lequel, le HMS Prince of Wales ou le Queen Elizabeth. En tout cas, une démonstration de puissance importante. Ceci m'amène à vous poser une question. Pendant un temps, vous avez eu une rupture capacitaire en termes de porte-aéronefs. Après la disparition des porte-aéronefs de la classe Invincible, vous avez eu un trou capacitaire jusqu'à l'arrivée de la nouvelle génération, une génération qui fait à peu près 3 fois en tonnage les anciens Invincible, Illustrious et Ark Royal. Quel regard portez-vous sur le fait de posséder 2 porte-aéronefs en même temps? Et j'imagine, comment faites-vous la démonstration de l'intérêt d'en posséder 2? Je vous remercie. Merci, cher Tobias, vous avez la parole.
Thank you again, very much indeed. Merci. I mean, firstly, on the industrial partner, I think d'abord, pour le partenaire industriel, j'aimerais voir la possibilité d'explorer plus de perspectives pour partager du côté de la stratégie industrielle. Quant à la modélisation des forces armées, bon, j'ai dressé le contexte pour dire que pendant 30 ans, nous avons vu le saucissonnage de nos capacités militaires. Il n'y a pas les ressources humaines pour les forces terrestres, pour les blindés ou les chars. Et on pensait qu'on n'aurait plus de conflits entre États. On ne pensait pas voir des chars de combat contre un adversaire tel qu'on a maintenant, mais nous constatons maintenant que ce n'est plus du tout le cas. À la fin de la guerre froide, on avait 900 chars de combat et aujourd'hui, on en a 147. Je crois que cela va évoluer. On va arriver facilement, je crois, à 255 parce qu'on a des Challenger 2 qui étaient en réserve, qu'on va remettre à niveau pour en faire des Challenger 3. Compatible aux normes de l'OTAN et ça serait une évolution très positive. Quant au commandant Bradley, c'est un véhicule ce qui était remplacé par le Boxer qui n'a pas de tourelle. Ça, c'est la partie des roues avec des capacités, mais vous avez besoin d'un véhicule, vous avez besoin d'un blindé pour le personnel et ça, c'est une question qu'on va étudier lors de l'examen. Quant à la perspective de la marine, nous avons 18 frégates à la fin de la guerre froide, on en avait 60. Et pour les forces aériennes, on avait 36 escadrons d'avions de chasse rapide et maintenant on en a 8. Mais évidemment, les aéronefs sont plus compatibles que dans le temps. Mais ce qu'il faut... Ce qu'il faut, c'est reconnaître les besoins de puissance élevée. Nous avons besoin de ces capacités de haut niveau, mais nous avons également de devoirs de surveillance. Par exemple, la mer Chine du Sud, pour les types 35 ou 46, nous n'en avons pas beaucoup. Ce sont des bâtiments de guerre très puissants, mais on pourrait avoir des corvettes qui font des patrouilles sur ces mers de manière régulière pour montrer l'intention, pour montrer que nous ne céderons pas les eaux territoriales internationales à la Chine. Vous n'avez pas besoin de consacrer des milliards à un énorme bâtiment de guerre. Vous pouvez le faire avec un plus petit bâtiment pour la défense maritime. Alors, ce qu'on est devenu maintenant, c'est une capacité de niche de haut niveau, mais on n'a plus la profondeur. C'est comme le jeu d'échecs. On a les belles pièces de la dernière ligne, mais on a besoin de plus de pions pour dominer l'espace. Et ça, c'est pour l'air, la mer et la terre. Et bien sûr, il faut des systèmes d'armes de haut niveau. Quant au budget, oui, moi, je demanderais 3%. C'est d'autant plus pertinent aujourd'hui qu'on voit les taux de change et on voit qu'il faut un montant supérieur juste pour garder le niveau, un niveau stable. De même avec l'inflation, il faut continuer à tout payer. Il faut payer le chauffage, les salaires pour suivre l'inflation et c'est un énorme problème. Nous avons besoin de 10 milliards de livres juste pour rester au niveau sans augmenter. Et je sais que notre secrétaire à la Défense travaille très dur sur ce point. Je voudrais dire que tous les coûts liés à l'Ukraine ne viennent pas forcément du budget de la Défense. Les équipements supplémentaires, la formation que nous faisons dans la plaine de Salisbury, la formation des forces ukrainiennes viennent d'un budget central du Trésor. Il n'y a pas d'impact sur le budget de la Défense et je crois que c'est tout à fait juste.
Quant aux porte-avions, bon, vous en avez deux parce que vous avez plus de résilience. Vous avez ensuite la possibilité de voir qu'un des porte-avions a besoin d'être en cale sèche. On avait un problème avec l'alignement des hélices, des deux hélices. Et malheureusement, le problème s'était produit au moment de la construction du porte-avions. Ce n'était pas au cours des opérations en mer. Mais nous avons le prince de Galles et nous avons le Queen Elizabeth. C'est pour cela que j'avais demandé, j'avais insisté auprès de David Cameron pour avoir ce deuxième porte-avions. Mais là, on voit que l'intention, c'est de pouvoir avoir des opérations bien loin de ces côtes. Et je suis ravi de voir que le porte-avions Charles de Gaulle, qui est extraordinaire, est là aussi. Alors, il est important d'avoir toute la diversité des capacités, et cela comprend le fait de dominer l'espace maritime. Merci. La parole est à Michael Taverne. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président Elwood, mes chers collègues. L'amitié franco-britannique s'incarne aujourd'hui principalement dans les accords de Lancaster House, qui nous lie depuis 2010 et qui nous rappelle combien cette relation bilatérale est essentielle entre nos deux pays, qui sont, gardons-le à l'esprit, les deux seules puissances nucléaires et les deux seuls membres du Conseil de sécurité de l'ONU en Europe de l'Ouest. Ainsi, il est évident que les intérêts de nos deux pays convergent sur bien des points et qu'en ce sens, les efforts engagés dans le cadre de Lancaster House, notamment sur le plan militaire, sont importants, qu'il s'agisse de travailler à une interopérabilité sans cesse renforcée de nos armées ou encore de coopération en matière d'armement. Ainsi, alors que de nombreuses critiques peuvent être légitimement émises à l'encontre de plusieurs des programmes transnationaux d'armement auxquels la France participe, la coopération franco-britannique, incarnée notamment par l'entreprise MBDA, a montré son efficacité. De fait, il est regrettable qu'après avoir lancé en 2014 des études préliminaires en ce sens, nos deux pays aient finalement décidé de se lancer dans deux programmes d'avions de combat distincts, le SCAF pour la France, qui pose de très nombreux problèmes, notamment car nous ne partageons pas les mêmes intérêts et la même doctrine avec l'Allemagne, et le Tempest pour le Royaume-Uni. C'est donc sur ce sujet de la coopération franco-britannique en matière d'armement que j'aimerais connaître votre sentiment. Comment expliquez-vous le succès des coopérations que vous conduisez avec vos partenaires, et pensez-vous qu'il puisse s'agir d'un axe de relance de notre alliance bilatérale afin de tendre, ainsi que nous l'appelons pour notre part de nos voeux, vers l'émergence d'une nouvelle entente cordiale? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Marie Fievet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Eastwood, c'est un réel honneur d'échanger avec vous et je vous remercie pour la qualité de vos propos de présentation et vos premières réponses. Dans le cadre de la rédaction de mon rapport d'information portant sur la transition écologique du ministère des Armées français, j'avais eu l'occasion et l'honneur d'échanger avec le général Richard Nuji avant que celui-ci ne prenne sa retraite. En effet, ce dernier était alors responsable de la stratégie de transition écologique du ministère britannique de la Défense. Au cours de ces échanges, j'avais pu constater que la défense britannique semble tenir une stratégie de transition écologique, mais surtout énergétique, sérieuse et d'ores et déjà bien avancée. Ma première question portera donc précisément sur ces deux enjeux centraux pour l'ensemble de notre société aujourd'hui, mais aussi pour notre futur. Ainsi, pourriez-vous m'éclairer sur les mesures mises en œuvre par le Royaume-Uni dans le cadre de la transition énergétique de ses armées ? Et dans mon rapport, je démontrais par ailleurs que peu de pays ont amorcé une transition énergétique avec un volet spécifique dédié à la défense. En France, notre ministère des Armées est, tout comme au Royaume-Uni, pleinement engagé sur la transition écologique et énergétique. Mais c'est aussi le cas d'autres pays européens et certains États membres de l'Alliance Atlantique. Ainsi, Monsieur le Président, alors que nos deux pays sont des partenaires stratégiques certains, quelle place accordez-vous à la coopération sur les enjeux de transition énergétique, avec la France bien sûr, mais aussi avec nos alliés européens et de l'OTAN ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Josy Poueyto.
Oui, Monsieur le Président, merci. Je vais juste poser une question de la part de Fabien Lenné, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là et qui est donc membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. En fait, la France est engagée avec l'Allemagne dans des programmes militaires importants, le SCAF et le char MGCS. Ces programmes majeurs sont censés remplacer nos équipements lourds, aériens et terrestres. Le SCAF était initialement une coopération franco-britannique avant qu'il ne devienne principalement une coopération franco-allemande et espagnole. Pour l'avion du futur, le Royaume-Uni a décidé de se lancer dans le projet Tempest en s'alliant avec l'Italie et le Japon. Où en êtes-vous de cette coopération ? Je vous remercie. Merci, cher Tobias, vous avez la parole. Cher Tobias, vous avez la parole, si vous le souhaitez, pour répondre à ces trois questions, notamment sur la coopération entre le SCAF et thank le programme de Tempest, et puis sur la question thank de la you just reminding us of the importance of the Lancaster House. Merci beaucoup et merci de nous avoir rappelé l'importance du traité de Lancaster House. Et je suis contente de constater que le président Macron et le premier ministre Sunak vont se voir bientôt. Je crois qu'il y avait la possibilité d'avoir des réunions en marge de ce sommet, ce qui serait symbolique. On pourrait peut-être explorer cette possibilité. Mais vous venez d'articuler ce que je disais plus tôt concernant les deux puissances nucléaires. Nous sommes les pays les plus responsables en Europe et il est très logique que notre pensée stratégique soit alignée et de même que nos positions de défense et l'avancement de la défense soient alignées aussi. Et nous sommes des deux côtés de la Manche. J'ai vu l'installation Tempest avec l'usine BEA. C'était il y a quelques jours et j'étais impressionné de voir l'état d'avancement. C'est très avancé. Ils sont déjà en train de construire les éléments constitutifs pour faire le modèle de démonstration. On voyait la composition même de l'aéronef. Il y a 20 000 pièces individuelles et vous pouvez tout voir sur l'imagerie informatisée. C'est immense, je dois dire. C'est énorme. Les missions qui seraient couvertes sont claires. C'est parce que c'est un aéronef furtif, ce n'est pas un bombardier. Et on voit qu'il y a des synergies avec les deux capacités pour les deux avions. Il n'y a pas une question de remplacer un avion, mais il faudrait les voir en synergie. Vous avez un avion pour un porte-avions, ce qui est un choix judicieux. Et il y a la possibilité d'avoir trois modèles ici. On pourrait avoir deux aéronefs avec pilotés. Et ensuite, vous avez les aéronefs autonomes, les drones qui seraient à côté de l'aéronef individuel. Jusqu'à une vingtaine, et vous accepteriez peut-être d'en perdre un certain nombre si c'était essentiel en fonction de la mission. Vous pourriez dépenser quelques millions de livres pour ces drones sans pilote parce qu'il fallait rentrer dans un site nommé pour détruire une menace nommée. Mais je crois qu'il y a une possibilité d'avoir des décisions politiques, que les hommes et les femmes politiques se mettent autour de la table pour trouver une solution gagnant-gagnant. Nous avons l'aéronef à long rayon d'action. C'est comme le Blackbird, mais c'est furtif.
et c'est pour des systèmes d'armes où les armes peuvent dépasser des distances de 100 km, mais il ne pourra pas atterrir sur un porte-avions. C'est là où votre aéronef nous intéresse et serait complémentaire. Et merci d'avoir parlé du général Richard Nugy. J'ai collaboré avec lui lorsque j'étais au ministère de la Défense. Il a témoigné devant notre commission de la Défense. Et l'étude, c'était sur l'impact du changement climatique. Moi, je dirais que la menace n'est ni la Russie, ni la Chine, ni l'Iran. C'est le changement climatique et la façon dont le changement climatique va détruire des communautés à travers l'Afrique. On va voir la montée du niveau de la mer. On va voir des mouvements démographiques de dimension biblique. Et nous sommes en train d'étudier la question. Et nous avons vu que la plupart de nos véhicules ne pourront pas fonctionner au Moyen-Orient parce que la température sera supérieure à 45 degrés et les moteurs à combustion ne fonctionneront pas. Et s'il y a des niveaux de sel, de salination des eaux au-delà d'un certain point. Si vous avez un sous-marin nucléaire dans la mer des Caraïbes dans une dizaine d'années, vous ne pourrez rien faire, vous ne pourrez rien voir à cause de la teneur en sel de la mer. Mais je crois que nous avons été plutôt à la traîne. Il fallait encourager plus d'innovation, d'approches innovatrices. Il est toujours difficile de travailler dans le domaine de la défense et de trouver des capacités et des carburants différents. Ceci soulève la question de ce qu'on appelle les soft power, c'est-à-dire les énergies sales. Il y a des pays qui salissent notre planète, et notamment la Chine, avec, on parle de batteries, mais également les centrales à charbon qui continuent à construire. La situation est dramatique et nous voyons que la situation devient de plus en plus extrême et il faut vraiment consacrer beaucoup d'attention à cette question. Ensuite, il y avait la question concernant la France et l'Allemagne. Il est important que nous, tous les deux, que nous aidions l'Allemagne à renforcer ses capacités. Je ne voudrais pas critiquer la situation de la France avec le Royaume-Uni, mais la situation de l'Allemagne est importante. Il faut voir cette base économique d'une telle importance qui assume plus de responsabilités en matière de sécurité en Europe. C'est un pas en avant, il faut l'encourager. Il faut que la France et le Royaume-Uni l'encouragent. Merci à nouveau, Chateaubien, sur ces réponses. Alors, nous avons deux dernières questions. La parole est à Anna Pic. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Elwood. Les armées britanniques et françaises ont pendant de nombreuses années constitué les deux piliers de la défense européenne et joué un rôle majeur dans l'activité de l'OTAN au travers d'exercices conjoints comme Falcon Amarante ou Gallic Strike en 2021 et présentement Orion. Les relations de défense nouées jusqu'ici ont contribué à assurer l'intégrité du territoire européen et la place stratégique de nos deux puissances nucléaires sur la scène internationale. Cependant, nos relations bilatérales ne doivent pas cacher non plus les difficultés rencontrées ces dernières années dans le cadre des partenariats de défense. S'il a été rappelé les accords de Lancaster House et notre capacité de travail commun, des limites sont apparues qui, cela a été évoqué précédemment, nous ont obligés d'un côté comme de l'autre à nous tourner vers d'autres partenaires. Enfin, elephant in the room, la place de votre pays dans la rupture du contrat concernant les sous-marins entre la France et l'Australie invite à éclaircir nos relations et nos ambitions
vis-à-vis de l'Indo-Pacifique. Si la France n'a pas entrepris ce virage dans la zone comme vous et notre partenaire commun américain, comment envisagez-vous les relations entre la France et le Royaume-Uni dans le cadre du maintien des équilibres stratégiques de la paix dans la zone? Est-il possible d'imaginer que nos deux pays offrent cette troisième voie que réclament un certain nombre de pays sur la zone qui ne souhaitent pas s'inscrire dans un registre ni anti-chinois ni anti-américain? Merci. Merci. La parole est à Lionel Royer-Perrault pour finir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Elwood, nous vous remercions de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui parmi nous. Le 12 février dernier, le général d'armée Thierry Burkhardt, donc chef d'état-major des armées, s'est entretenu avec son homologue britannique, l'amiral Radakin. Leurs discussions ont permis d'aborder les sujets d'intérêt militaire qui seront évoqués lors du prochain sommet franco-britannique prévu, comme nous l'avons évoqué durant cette séance, le 10 mars prochain. Aussi, Monsieur le Président, pouvez-vous nous parler de l'état de l'opinion publique et politique britannique en amont de ce sommet ? Nous connaissons également nos différents post-Brexit sur la Manche, que ce soit en ce qui concerne les zones de pêche ou la gestion des flux migratoires. Et donc, mais d'un point de vue militaire, quel est le sentiment dominant chez vous? C'est plutôt une question d'ambiance, de tonalité, mais je pense qu'elle est importante et finalement, elle permet de conclure heureusement nos débats. Merci à vous. Merci, Chateaubias. Vous avez la parole pour répondre à ces deux questions et puis également pour avoir un petit mot de conclusion pour terminer cette audition. Well, thank you very much indeed. Merci infiniment. Encore deux questions excellentes pour terminer. Alors, je le répète, j'espère que nos pays pourront aller de l'avant ensemble, et je vais être franc. La rhétorique qui sort de 10 Downing Street ces dernières années, je la trouve décevante. Sous Boris Johnson, cela a été humiliant. Il a joué un jeu populiste pour s'accaparer les pouvoirs de son parti. Et le leadership international que j'aimerais que le Royaume-Uni assume a été sapé. Donc, la bonne chose dans notre système, c'est que contrairement aux États-Unis, on peut se débarrasser de Premier ministre plus rapidement, et pas au bout de 4 ans. Mais voilà, les temps ont été difficiles. Je suis député depuis 2005 et les dernières années ont été les plus difficiles pour moi. Et nous serons sans doute punis et l'opposition prendra le pouvoir. Mais ce qui a été obtenu avec le protocole nord-irlandais, cet accord avec Rishi Sunak, c'est un socle, un point de base. C'est à cela que tient la diplomatie, la vraie diplomatie. Alors, ce Brexit a été une page noire de notre histoire et il nous faut aller de l'avant, réaffirmer notre responsabilité sur la scène internationale, et il y a une obligation, comme je l'ai dit. Le monde est évolutif, il change rapidement, et nous devons continuer d'avoir une étroite collaboration. Alors, sur AUKUS et le cas de l'Australie, Boris Johnson a voulu faire mal à Macron. C'est aux Australiens de déterminer s'ils veulent des sous-marins à propulsion nucléaire ou des sous-marins au diesel. Mais concrètement, c'est un contrat d'approvisionnement, AUKUS. Ce qui est intéressant pour moi, c'est l'alliance stratégique dans la mer du sud de la Chine. Ce qui serait intéressant, c'est que l'on ait une plus étroite collaboration avec le Japon, l'Inde, les États-Unis, et
Il faudrait inviter la France et le Royaume-Uni à intégrer cette coalition. Je pense que c'est la direction qu'il faut prendre. Alors, encore une fois, il n'y a pas de sentiment anti-Chine, mais nous voulons que la Chine accepte nos règles internationales en rappelant que nous devons défendre nos valeurs. Alors, ne soyons pas hystériques sur le cas de la Chine. Il faut simplement être proactif dans la défense de nos normes, nos règles internationales en matière de commerce et de sécurité notamment. Et la Chine est la bienvenue si elle souhaite se joindre à nous, si elle respecte ses règles. Et cette coalition mer du sud de la Chine serait intéressante. Alors, notre relation avec l'Union européenne, si elle est plus mature, permettra d'avoir une approche plus constructive, et notamment vis-à-vis de la France également. Alors, il y a, on a éliminé beaucoup de migrants qui traversent la Manche, et encore une fois, c'est un problème que nous souhaitons résoudre à l'échelle internationale. Lutter contre ces gangs, ces passeurs, Libye, Somalie et d'autres pays, ce sont des pays auxquels nous sommes intéressés, puis l'intérêt s'est dissipé. Vous avez ces personnes qui veulent changer de pays. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réinitialiser, moderniser notre coopération internationale pour faire appliquer les règles internationales. Et il faudra pour cela travailler dans ces pays où il y a une pauvreté, une insécurité qui règne, où il n'y a pas de perspective économique. Alors, pour résumer, simplement, je trouvais notre échange ce matin très intéressant. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Il nous montre l'importance de tisser des liens, de communiquer et de planter le décor. Alors, j'ai apprécié pouvoir saisir cette occasion. Alors, il y a une conférence sur la sécurité ce week-end. Des délégations françaises vont participer, je crois. Si vous êtes là, nous pourrons partager un verre de vin, certainement. Mais merci encore, en tout cas, pour l'échange de ce matin. Merci, Monsieur le Président. Cher Tobias, pour cet échange et avoir bien voulu partager avec nous vos réflexions, je pense que c'est à la fois très intéressant, très, très éclairant à la fois pour nos propres travaux, mais également pour approfondir notre relation commune. Vous le savez, le Royaume-Uni est un partenaire essentiel pour la France, notre géographie, notre histoire, nos responsabilités et nos projets nous commandent d'approfondir cette relation. Et je crois que nous partageons tous les deux la conscience de l'importance des relations interparlementaires pour compléter la relation entre les gouvernements, entre les diplomates, entre les armées. Et je pense que ces relations interparlementaires sont à la fois un gage de franchise, de durabilité, au-delà des alternances, et de connexion directe aux attentes de nos populations. Et donc, au-delà de notre première visite fin janvier, de cette nouvelle audition un mois plus tard, nous aurons l'occasion, entre nos deux commissions, de construire une feuille de route commune qui nous permettra peut-être notamment de réactiver le comité de suivi parlementaire des accords de Lancaster House et puis d'envisager des actions communes, notamment peut-être un déplacement commun. Et vous le savez, vous êtes le bienvenu ici à Paris et puis pour visiter nos forces et les installations que nous pouvons avoir en commun, comme le laboratoire Épure, qui est une construction franco-britannique. Et donc, nous pourrons, dans les prochaines semaines, travailler à un tel déplacement. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans le refresh de l'Integrity Review, qui devrait être présenté prochainement, ainsi que dans les choix budgétaires qui suivront. Mes chers collègues, je vous rappelle que nous nous retrouverons pour certains d'entre nous pour un déplacement en Dordogne dès cet après-midi, pour le centre d'entraînement des forces de la gendarmerie à Saint-Astier, pour une réunion publique le soir à Périgueux et également pour une visite de la poudrerie de Bergerac, car, cher Tobias, nous sommes en train de réintégrer la fabrication de poudre explosive en France. Et je vous rappelle que notre prochaine audition aura lieu mercredi 8 mars à 9h. Encore un grand merci, cher Tobias. À très vite et bonne journée à tous. Thank you very much.